Spear. We have to thank our amazing technical support, John, Julie, and Jen. Gabby Bernstein, Megan Nuringer, Ted Ackerman, and Dan Hopkins, and the one and only Serena. We'd also like to thank Maya 3 and Jen, our production assistant. John Monaco for all the help he's helped on the set. We'd like to thank Frank for all the work he's done behind the set. We'd like to thank Mrs. Judith for all her help with our makeup, and we'd also like to thank Lisa Silvestro for the help that she gave us. To acknowledge Peter Zambito, which is our only senior, and he's been in this Shakespeare company for 2 years, and we want to wish him good luck in Columbia, and I swear, I'm not prejudiced. Special thank you to Dee O'Brien. For 21 years, Dee has dedicated countless hours and all her energy to the semi-royal Shakespeare Company, and she's made it a wonderful success. Because of her, we as a cast became better actors, gained a passion for Shakespeare, and most of all, formed a special bond with Dee that will last forever. In closing, I really just can't put into words what to say about you, Dee, and all you've done for me. I can only say that I'm one of the luckiest persons I know to be able to experience the joy of working with you. With every success, there's of course tension. And so, though I may experience that and not always show it, Dee, I honestly and truly love you and will miss you very much next week. Crew, parents, and everybody else who worked with us on this production, we'd like to present Dee with some gifts that should make future plays a little bit easier in building sets.
My staple gun and my glue gun. I try whenever I go to an antique show to look for antique editions of Shakespeare in the hopes that one day I'll be able to give it to a special someone. So that special someone is Peter Zambito, and I couldn't think of a nicer person. It's an 1896 edition of Henry VIII with an inscription from me which says that I hope he will remember Oberon and Antipholus and me. Thanks for your time. Frank and my mother have been eating at the diner all week. And considering that you couldn't get into La Reserva on Valentine's Day, Carlo and Michael would like to present you with an evening at La Reserva to relax and so you can dine a little bit more nicer than novelists. Yeah. This is a very special group. This was their sixth performance of alternating nights done in Shakespeare sets, Shakespeare costumes, 30 sets, 30 costumes. It was a remarkable achievement. Lisa, I see you. I didn't know you were here and your flowers upstage. Lisa Silvestro, another senior who's been with us since eighth grade, and we will miss her. Thank you.
supermarché. Et enfin, les œufs. Une fois que les œufs sont mélangés, il faut travailler la pâte immédiatement, sinon au contact du sel et du sucre, il risque de brûler, de faire des petits points blancs. Voilà. Et d'une seule main, regardez une fois, un truc de pâtissier, je commence à mélanger en attrapant sur les bords le sucre, les amandes et la farine. Cette pâte, il faut la travailler le moins longtemps possible pour éviter de lui donner du corps, de lui donner de la résistance. Une fois que tout est mélangé, eh bien, vous en faites une boule et vous l'enfermez dans un papier transparent pour la faire refroidir dans votre réfrigérateur pendant quelques heures. Épaisse,
n'est pas la peine. Et maintenant, je vais mettre des petits morceaux de fraises. Vous voyez ? Ensuite, encore un petit peu de chantilly, juste pour coller la couche supérieure. Et je recommence une deuxième fois. Un peu de chantilly. Et des fraises. Alors bien sûr, je prends de belles fraises. Des fraises, ça sent bon. Parfois, on a du mal à trouver les bonnes fraises. Encore un petit peu de chantilly pour coller. Dernière épaisseur, voilà, et enfin dernier morceau dessus. Pour décorer, je vais faire une petite rosace, voilà, avec une demi-fraise, comme ça, c'est joli, ça donne un petit peu de couleur. Voilà. Super. Voilà le gâteau que nous appelons le malice. Que c'est les amoureux sont malicieux. Je pose sur une plaque. On peut bien voir. Vous voyez. Et à l'aide d'un emporte-pièce un peu plus petit, je fais à l'intérieur de deux d'entre eux encore un petit cœur. Je retire le centre. Vous voyez. Ça, je peux le cuire aussi. Voilà. Et je les passe au four, même cuisson que précédemment, environ une quinzaine de minutes à 220 degrés. J'en ai cuit quelques-uns en avance. Pour gagner un petit peu de temps, pour mieux vous montrer de sucre glace. Et dans une poudrette, je vais mettre une belle couleur blanche de sucre et couvrir. Et je les pose dessus. Vous voyez, on a donc là deux petits sablés garnis de confiture à la framboise. Et encore une fois, c'est pour les amoureux. Maintenant, une autre utilisation que vous pouvez faire. Je vais mettre ça devant moi. Vous pouvez les tremper dans le chocolat. Vous allez répartir de ces deux que vous voyez là. Dans deux containers plastiques, dans un Tupperware par exemple, vous faites fondre du chocolat. Un chocolat noir et un chocolat blanc. Encore une fois, c'est des éléments que vous pouvez trouver dans votre supermarché. Et je trempe à moitié l'un de ces cœurs dans le chocolat. On essaie de racler légèrement en dessous. Que je laisse refroidir sur une plaque. Tiens, je vais en faire un deuxième. Voilà. Dans le chocolat noir. C'est beau et brillant. Il ne faut pas hésiter à en mettre, c'est bien espéré. Une fois que ce chocolat noir est pris, eh bien, vous voyez, j'en ai fait un d'avance, comme ça, vous pouvez gagner un petit peu de temps. Je le trempe à son tour dans le chocolat blanc. C'est un avance au chocolat blanc, donc c'est trempé dans le chocolat blanc. Le chocolat refroidit très rapidement, hein. Vous pouvez même le laisser soit dans votre réfrigérateur, ou le laisser dehors, dans votre cuisine, ça prendra quelques minutes. Voilà. Voilà une autre utilisation de petits sablés au chocolat, que les amoureux sont toujours deux, où il y a une belle couleur, noire et blanche. Donc, la réalisation de ces petits sablés. Voilà. Alors, je rappelle que la recette de chacun de ces gâteaux sera donnée par écrit à la permanence de Saint-Christophe, où vous pouvez vous rendre le lundi matin. Elle est ouverte de 9h à midi.
à l'école de Française qui va m'amener sur la Boston Post Road. Là, ce sera pour tous nos cuisiniers qui auront envie d'expérimenter ces bonnes recettes. Sinon, Pierre, alors je vous remercie beaucoup pour la réalisation de ces gâteaux que nos téléspectateurs ont suivis avec plaisir. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans nos studios de Mama Ramen. À très bientôt. Au revoir. Alors Pierre, nous venons de vous voir à l'œuvre dans vos ateliers. Maintenant, vous allez nous parler un peu de vos origines. De quelle partie de la France venez-vous ? Je viens d'une très belle région de France, qui est l'Alsace. Mes parents sont tous les deux alsaciens. Et à une époque, mon père est monté à Paris ensuite pour monter sa propre affaire. Et alors, est-ce que le métier de pâtissier est un métier familial ? C'est un métier qui est dans notre famille depuis très longtemps, parce que je crois que je suis la cinquième génération. Ah oui, effectivement. Ouais. C'est beaucoup. Beaucoup. Et qu'est-ce qui vous a fait venir à New York ? Pourquoi quitter la France pour venir à New York ? C'est quand même pas une ville très facile au départ, quand on ne la connaît pas, pour venir monter son entreprise. Ben, j'ai fait un peu le même saut que mon père a fait lorsqu'il a quitté l'Alsace pour monter son affaire à Paris. Moi, j'ai fait un grand pas en venant ici aux États-Unis. Et pourquoi New York ? Parce que c'était une ville que je connaissais, puisque j'avais eu la chance de pouvoir courir des marathons ici. Et j'ai donc décidé, à l'issue d'un marathon, de rester aux États-Unis. À l'issue d'un marathon, donc vous êtes resté à New York et vous vous êtes dit, maintenant, il va falloir que je vive à New York, donc je vais monter une pâtisserie, enfin une boutique. Non, c'était un petit peu moins magique que ça, parce que j'avais quand même bien préparé mon arrivée ici. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui montaient une affaire, ils avaient besoin d'un ouvrier, et j'ai pris ma chance, je suis parti travailler pour eux. Donc vous avez travaillé combien de temps pour les autres avant de vous mettre à votre propre... J'étais à peu près... pendant un an, j'étais employé dans cette affaire et je suis devenu rapidement partenaire. Ah, d'accord. D'ailleurs, ils m'ont laissé rapidement diriger l'affaire tout seul, puisqu'il y en a un qui était en France, l'autre était aux États-Unis et ils me faisaient confiance. Bon, alors le premier jour, vous avez posé vos pieds sur le territoire américain, c'était il y a combien de temps ? C'était au mois de novembre 83, c'était fin octobre, parce que le marathon était début novembre, je n'ai pas la date exactement en tête. Donc si on calcule bien, ça fait 12 ans. Bientôt. Bon, 12 ans. Alors quel est le bilan après 12 ans ? Où en êtes-vous ? Eh bien, après 12 ans, deux boutiques plus loin, puis un atelier de fabrication, j'ai décidé avec Martin... Martin Kowalski ? Oui, de créer une nouvelle affaire de développement pour la pâtisserie. Donc c'est là que Martin vous intervient. Voilà, c'est là que Martin intervient. Je suis arrivé, je suis parisien, qui m'aide bien parce que quand je parle anglais, j'ai l'accent parisien. Ouais, je crois que c'est très très bien vu d'avoir l'accent français. Ouais, c'est bien vu, on le travaille même d'ailleurs. Tous nos efforts pour ne pas le perdre. Donc je suis arrivé à Paris, de Paris, il y a un an. Mais vous étiez déjà dans le métier, le même métier, pâtissier ? Non, j'ai fini toute ma carrière dans la distribution. J'étais le directeur général d'une entreprise qui avait plusieurs centaines de personnes à la distribution. Voilà. Il y a 40 ans, j'ai décidé de refaire une entreprise comme j'avais pu le faire il y a 25 ans. Et j'ai appelé Pierre, je lui ai dit je veux recommencer une entreprise nouvelle aux États-Unis. Cherche-moi une entreprise dans laquelle je pourrais prendre des participations. C'est là où vous n'avez pas eu à chercher très longtemps. Non, paradoxalement, on a cherché assez longtemps. Et tout d'un moment, Pierre m'a dit qu'on se connaît depuis 35 ans. On était pratiquement allés ensemble. Il m'a dit, écoute, et mon affaire ? Alors j'ai dit, j'ai arrêté le week-end prochain, on va voir ça. Et voilà. Et vous avez démarré ? Alors il y a un pâtissier, puis moi je suis chargé du développement, je suis un peu l'homme d'affaires, quoi. Le financier, quoi. Et alors, quels sont vos projets ? Vous avez des projets futurs, j'imagine ? Les projets, oui, on a beaucoup de projets, par exemple, on ne serait pas installés tous les deux, puisque Pierre, il faut expliquer que Pierre il fera facilement, il a un succès considérable en 12 ans. Donc il n'avait pas besoin d'associer, en fait. Donc si c'était pour rendre quelqu'un d'autre, et ben, c'était par la force des choses pour prendre une nouvelle dimension. Et on a en projet un développement un réseau de boutiques qui est en projet, puis il y a aussi un énorme réseau de ventes à des quantités plus importantes. La vente en gros un petit peu. La vente en gros, mais au niveau de l'État de New York. Voilà. Donc tout ça c'est bien préparé.
Mais je crois qu'aujourd'hui, on est là pour parler plutôt de la Saint-Valentin, donc des boutiques. Oui, des boutiques qui sont à Manhattan. Donc en fait, où se trouvent-elles ces boutiques? La plus récente se trouve sur la 60e, entre Lexington et Park. De l'autre côté de la rue, vous pouvez faire vos achats pour Bloomingdale. Ah oui, c'est pas mal situé. Voilà, vous donc, bien faire. Après vos petites courses, vous pouvez toujours venir prendre le thé. Et l'autre boutique, la plus ancienne, elle est sur la 55e rue, entre la 5e et 6e avenue. Oui, donc plus dans le coin des théâtres. Est-ce que vous avez une clientèle très typée? On a une clientèle qui connaît bien l'aspect pâtissier, qui a une bonne approche de ce que nous faisons, qui aime bien l'Europe, qui connaît la France et qui connaît nos produits. Ah oui. Il y a, les deux affaires sont situées dans des quartiers où il y a des bureaux, donc on a une clientèle d'affaires, on a aussi énormément de touristes qui passent le week-end, et compte tenu de la proximité de Park Avenue et de la 6e Avenue, il y a beaucoup de gens qui habitent là-bas et qui viennent également acheter des produits chez nous. Alors, je crois que vous ne faites pas que des gâteaux, parce que si j'ai bien compris, on peut venir à l'heure du déjeuner, prendre un petit lunch rapide. C'est vrai. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre un métier qui est merveilleux parce que il n'y a pas que la pâtisserie. J'ai appris aussi à faire la cuisine et j'ai eu la chance de travailler dans de bonnes maisons en France. Et j'ai donc décidé que c'est même un plaisir pour moi de pouvoir faire tous les produits moi-même. Le pain, les quiches, les salades, les croissants, les petits fours frais, les cookies, tout est fait maison. Que peu de gens. Par exemple, petite question pratique, si on veut venir manger une petite quiche et une petite salade chez vous, ça va nous revenir à combien? Quel prix? Bon, le ticket moyen est environ, ne dépasse rarement 10 dollars. Sauf qu'il est vraiment gourmande à ce moment-là. Si je veux manger 4 gâteaux après ma quiche. Par exemple. Oh, ça reste assez raisonnable, c'est vrai. Oui, très raisonnable. Parce que, c'est vrai que dans la clientèle du quotidien qui vient nous voir tous les jours, ce sont des gens qui travaillent dans les bureaux. Et qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas non plus dépenser plus de 10 dollars. J'imagine qu'il doit y avoir pas mal de touristes quand même, vu la situation de vos boutiques. Oui, énormément de touristes. Oui, la proximité du parc aussi nous amène beaucoup de. Et puis il y a le client fidèle aussi qui vient tous les jours acheter son croissant avant de partir au bureau, non? Oui. Ça crée une atmosphère un peu de village. Et c'est d'ailleurs très sympathique de reconnaître des têtes et de les appeler par leur nom. C'est un retour d'il y a 20 ans lorsque je travaillais avec mes parents. Et que mon père attendait ses clients sur le pas de la porte le matin. Ils arrivaient en pyjama et pour leur vendre les croissants. J'ai du mal à imaginer les Américains en pyjama avec le froid qu'il fait. Oui. Martin, j'imagine que vous n'êtes pas les seuls pâtissiers français à New York et même pas les seuls pâtissiers. Donc au cours de votre installation, vous avez rencontré la concurrence et vous en rencontrez toujours. Donc comment cela se passe-t-il au niveau de la concurrence? Au niveau de la concurrence, on n'est pas... on n'est pas beaucoup. Et je dirais même qu'on n'est jamais trop. Parce qu'on est sur un marché assez grand. La ville de New York est importante. Et même si nous, on travaille dans une petite niche de clientèle, elle est tout de même. Elle se mesure par centaines de milliers de clients. Donc, on peut dire qu'à New York, on est à faire de la bonne pâtisserie. On est peut-être 4-5. Et nous, avec Pierre, on nous souhaite une seule chose, c'est d'avoir des collègues qui voudraient se mesurer un petit peu à ce marché. La concurrence est bonne, le marché est en développement, et puis la concurrence, ça crée l'innovation de produits. Le fait d'être français vous donne l'avantage sur les autres? Le fait d'être français donne l'avantage tant que c'est bon. Donc pour l'instant, nous, on fait une bonne pâtisserie, donc c'est l'avantage. Mais c'est pas l'avantage de plus, car l'Américain, il considère que, avec le français, il considère qu'il a une petite garantie de bons produits. Mais il a un sens critique, le goût américain est un goût maintenant qui est très, très, très affiné sur la population new-yorkaise. Et on ne peut pas les tromper ni sur la marchandise, ni sur les produits. Donc pour arriver à passer devant les autres, quel est le plus? Ce qui va arriver pour passer devant les autres, c'est faire, je crois, ce qu'a fait Pierre, et ce qu'on est maintenant essaie de faire ensemble, c'est-à-dire de prendre, de ne pas oublier qu'on fait un métier d'artisanat et que... c'est-à-dire que cette image d'artisanat qui peut donner en fait un produit en grande quantité de bonne qualité. Donc il faut monter marche par marche, c'est ce qu'on a fait ensemble depuis un an, puisque l'entreprise a pratiquement triplé son chiffre d'affaires depuis un an, et c'est ce que Pierre a fait
marche par marche depuis 12 ans. Donc il faut commencer par peut-être raconter une anecdote. On peut être rappelé tout simplement qu'il y a 12-15 ans, on ne mangeait pas de croissants. On ne trouvait pas de croissants. On trouvait des croissants dans la grande restauration internationale, mais on ne trouvait pas de croissants au niveau des établissements de Monsieur Tout-le-Monde. Oui, parce que maintenant, le croissant est dans la rue. Le croissant dans la rue. Nous, on pense avec Pierre que la qualité de pâtisserie, de toute façon, par la force des choses, sur une décennie, ne fera que s'améliorer. Et que donc le créneau de clients sera de plus en plus important. Donc confiance dans l'avenir. Ben, confiance, oui, autour de confiance, oui, parce que l'Amérique est le pays de la confiance. Donc nous vous donnons rendez-vous dans 10 ans et vous aurez doublé, si ce n'est plus, le nombre de vos boutiques grâce à la réussite. Oui, dans 10 ans, ce sera une vraie entreprise américaine. On aura été foudroyé, disparu, ou alors on sera effectivement une grande chaîne. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de rester entre deux points intermédiaires. Je pense que ce qui est important, c'est non pas de vouloir être absolument le premier devant les autres, parce que ce n'est pas une saine émulation, mais c'est surtout le matin en se levant, d'être certain de bien faire son métier. Et c'est un métier qui est répétitif. Tous les jours, on répète les mêmes mouvements. Ce n'est pas parce que le lundi, on a fait une belle tarte aux fraises qu'elle sera aussi réussie le mardi. Aucune assurance. Il faut recommencer. Donc c'est cette envie de bien faire son métier, que nous faisons. Si par bonheur nous sommes les premiers, c'est très bien. Mais je pense que cette concurrence, c'est sain d'avoir aussi d'autres gens, d'autres professionnels, parce qu'il y a de très bons professionnels à New York, il faut quand même le dire, et qui font eux aussi très bien leur métier. Donc nous pouvons dire pour conclure, Martin. Un dernier mot, on sait tout de même un bon exemple de la concurrence. On va fêter dans 3 semaines, on va fêter avec un certain nombre de personnes notre millième gâteau de mariage. Et ben, on a commencé à faire des gâteaux de mariage sous une demande d'un client un jour qui est rentré dans la boutique, qui a dit « je veux me marier, je veux un gâteau ». Et ben, pour maîtriser cette technique, on a dû non seulement apporter notre compétence professionnelle française, européenne, mais on a dû s'inspirer aussi de la grande compétence américaine, qui en la matière ont une technicité. Je crois que c'est ça la concurrence. La concurrence, c'est contrôler son savoir-faire et savoir prendre des autres avec humilité ce qu'ils savent bien faire. Et les Américains font de la très bonne pâtisserie américaine. On est un petit peu quand même, nous acceptons sur les gâteaux, puisque c'est pour la Saint-Valentin que nous faisons cette émission. Oui. Alors, pour vos gâteaux, nous avons une question à vous poser. Est-ce que les matières premières, vous les trouvez toutes ici? Pour la plupart, je trouve toutes mes matières premières ici. Certains produits comme les purées de fruits, enfin, c'est un produit encore spécifique qu'on ne trouve pas encore aux États-Unis. Sinon, pour le reste, les œufs, le sucre, les amandes. Oui, ça, les œufs, le sucre, j'imagine. Mais par exemple, le chocolat, vous trouvez du bon chocolat. Ah oui, bien sûr. Il faudra nous donner vos adresses parce que nous, les ménagères, nous n'en trouvons pas toujours. Ah, mais il faut regarder, il faut bien regarder si vous avez maintenant un tas de petites boutiques qui sont très bien achalandées avec des produits américains. Bon, est-ce que le goût américain est très différent du goût français? Est-ce que vous avez dû revoir vos recettes? Je ne sais pas, au niveau du sucre, de la quantité de sucre que vous pouvez mettre J'ai modifié la teneur en sucre de la plupart des recettes. J'ai réduit environ de 15% le montant de sucre. Réduit. Alors ça, je trouve. Non, on ne peut pas le réduire davantage parce que sinon on déséquilibre la recette. Les Américains mangent pas plus sucré que nous? Ils mangent beaucoup plus souvent du sucré que nous. Les snacks, les chocolate bars, ils sont friands, qui contiennent du sucre, plus qu'ils n'en voudraient dans la journée. Non, les recettes que je fais sont des recettes où le sucre est diminué, et d'ailleurs, ça apporte un peu plus de légèreté au produit. Pour ce qui est des saveurs, eh bien, la pomme est très populaire ici, la cannelle également, ça, si on veut, et le chocolat, bien entendu. Ouais, alors est-ce qu'il y a un produit, je dirais pas pilote, mais est-ce qu'il y a une spécialité qu'il faut acheter quand on arrive dans votre boutique, enfin que les gens achètent plus particulièrement? Est-ce qu'il y a la spécialité de la boutique? C'est vrai, il y a ce qu'on pourrait appeler le gâteau un peu signature, qu'on reconnaît, on sait qu'il vient de chez nous. C'est un gâteau qui s'appelle le Trio. D'ailleurs, l'histoire de ce gâteau est intéressante parce que c'est un gâteau qu'au départ, je ne voulais pas faire. Il m'avait été suggéré par un de mes clients, il voulait absolument un gâteau.
avec du biscuit chocolat. Il voulait différents chocolats, du blanc, du noir et du chocolat au lait. Et je lui dis, écoutez, oui, je veux bien. Mais alors, je l'ai essayé. Et finalement, maintenant, c'est devenu le gâteau le mieux vendu. Vous avez toujours ce client? Ah oui, le client, oui, oui. Et le gâteau, heureusement, il prend l'autre gâteau. Alors, est-ce que vous avez par hasard des gâteaux low fat? Parce que ici, quand on va dans les supermarchés, par exemple, il y a quand même beaucoup de produits low fat et j'imagine que c'est assez important pour l'Américain quelquefois. Est-ce que vous êtes obligé de diminuer la quantité de beurre ou de sucre dans certains de vos gâteaux ou vous gardez les recettes traditionnelles? Non, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait, j'ai pas suivi ce que je pense peut-être une mode. Et d'ailleurs, il y a peu de temps, il y avait un très bel article dans le New York Times où on informait les Américains qu'ils étaient encore plus gras qu'avant. Donc, la pâtisserie, la consommation de gras n'a pas grand-chose à voir avec ça. C'est certainement la cadence avec laquelle il la consomme et au moment auquel il la consomme qui change ça. Mais bon, je ne vais pas me discuter. On n'a pas de produits qui sont low-fat, mais par contre, on a une gamme de produits qui est assez intéressante. Parce qu'elle est assez légère. Et voilà donc des clients américains qui... Vous voulez dire pas trop de crème, pas trop... Ils sont équilibrés. On a une nouvelle clientèle qui arrive depuis quelques années, qui s'est bien affinée depuis deux ans, de gens qui ne peuvent pas renoncer à la pâtisserie, parce qu'il y a besoin de sucre, besoin de gâteaux, et qui donc font un choix qualitatif. Ah oui, d'accord. Et ils vont renoncer à des gâteaux basiques, et ils vont donc concéder leur budget dans des maisons telles les nôtres, et à New York, il y a peut-être une dizaine, qui vont leur donner un grand plaisir avec un petit risque. Oui, je comprends. Donc ça, c'est notre réponse, un peu notre réponse au low-fat. Ouais. C'est-à-dire que, on leur propose un produit. Gardez la saveur. Gardez la saveur, et puis gardez bonne conscience. Ce qui permet de reprendre une deuxième portion. Très important. Voilà, alors, Pierre, je suppose que dans l'année, il y a des moments où vous vendez plus. D'abord, il y a des périodes de l'année où on vend plus. Oui, alors, bien sûr. Noël. Bon, on suit le calendrier américain. Il y a déjà Thanksgiving qui est très occupé avec les tartes. Ces tartes aux fruits. Et là, on en a vendu énormément cette année. Et j'ai découvert d'ailleurs Thanksgiving. Bien sûr, en France, on ne connaît pas cette mode. Oui, bien sûr, Pâques, Noël, excusez-moi. Il y a Noël avant Pâques, les bûches de Noël, on a attendu énormément. Les Américains, ils aiment maintenant. Oui, ils connaissent. Ils découvrent, c'est un produit typiquement français. Il y a la galette des rois. Ah oui, il y a Pâques, bien sûr, la fête des mères et la Saint-Valentin. Bien sûr, la Saint-Valentin. Voilà. Pour laquelle nous sommes réunis et nous étions aussi très contents donc d'avoir la réalisation de vos gâteaux que nous avons pu suivre et où nous savons maintenant où nous pouvons aller les acheter. Est-ce que vous voulez bien répéter, Pierre, les adresses pour que nous soyons vraiment bien au courant? Oui, volontiers. Alors, il y a une boutique qui est au 127 East 60e rue et l'autre qui est au 54 West 55e rue. Donc nous vous remercions, Pierre, pour ces renseignements. Et en tant que bons Français, nous pouvons prendre le chemin de vos boutiques. Et ensuite, nous pouvons les faire découvrir aux Américains, qui ont dû d'ailleurs les découvrir par eux-mêmes. Et nous pouvons peut-être terminer juste une petite anecdote drôle qui nous serait arrivée, non? Ça vous est jamais arrivé? Il en arrive tous les jours. Tous les jours, c'est une nouvelle expérience. Tous les jours, on apprend avec les Américains, on apprend quelque chose de nouveau. Mais il m'en revient une qui est très drôle. Enfin, que je trouve drôle maintenant, en ce moment, je rigolais pas du tout. J'étais au téléphone en train de prendre une commande et je travaillais, j'étais devant le four, j'en souviens. Et je prends le téléphone, le client me dit je voudrais un sheet cake. Je dis, monsieur, je suis désolé, mais on ne fait pas des gâteaux comme ça. Oui, effectivement. Je n'ai pas compris. Je dis, on en fait au chocolat. À la framboise, à la fraise. Vous n'avez pas demandé d'orthographier le mot sheet? Sur le moment, je ne savais pas qu'il pouvait exister. Différent. Un autre gâteau, mais d'une taille différente. C'est un grand gâteau, en fin de compte, ce fameux sheet cake. Je l'ai découvert par la suite. Et quand je l'ai découvert, je me suis souvenu de cette conversation. Et je me suis dit, mais bon sang. Et moi j'insistais, je lui disais, non, vous savez, on en fait au chocolat, on en fait carré, des ronds. Et puis lui,
il me décrivait le gâteau qu'il voulait. Je veux un sheet cake. Sinon, je suis désolé, une bonne maison, c'est pas ça. Du coup, maintenant, quand on va dans la boutique, il y a écrit un petit carton sheet cake. Ah, maintenant, quand on est en vent, moi, je ris à chaque fois parce que c'est vraiment une expérience amusante. Ouais. Merci Pierre pour cette expérience. Notez tous donc la fête de la Saint-Valentin, qui est le 14 février, et précipitez-vous chez Pierre et Martin à New York pour acheter vos gâteaux et passer vos commandes. Au revoir Pierre, au revoir Martin. Au revoir. Au revoir. Au revoir.